Ah, Yvan. Tonton. Ton père n'est pas là, hein? Non, tonton, il est sorti. Alors que je lui ai fait comprendre au deuil l'autre jour qu'il devait passer ici aujourd'hui. Ah, il vient de sortir. Ah. Attends. L'autre, tu as mangé le poulet qu'il est rentré du deuil avec. Oui, tonton, c'était très bon, tonton. Tonton, il m'a même donné la bière. Tu bois déjà la bière, Yvan? Bien sûr, tonton, j'ai eu le bac. Ah, donc quand on a le bac, on a le droit de boire la bière. Bien sûr. Mais ton père avait chargé sa gandoura ce jour-là. Hein. De ce côté, il y avait le pain. Oui, le pain avait la viande, le pain du deuil. De ce côté, il y avait les cuisses de poulet, la bière et même les arachides du deuil. Tonton, le poulet là était bon. C'était bien assaisonné avec un peu de piment. Ah, tonton, j'aime manger ça jusqu'à. Ton ventre sera comme pour ton père. Ah, tonton, on va faire comment? Tu es allé où comme ça? Tonton, je suis en train d'aller à l'université. Voilà, Yvan. Parlant de l'université, toi, tu comptes faire quoi là-bas? Parce que l'autre jour, j'ai demandé à ton frère ce qu'il va faire à l'université. Il a été incapable. Il m'a même fait douter de son bac. Il m'a dit qu'il veut faire sciences politiques pour devenir président. J'ai dit, dans quel pays? Va même, tu fais panéliste. Les gens, c'est qui bavardent sur le plateau de télévision le dimanche là. Tu insultes le gouvernement. Le jour que le gouvernement te copte, tu insultes l'opposition. Tonton, moi je m'inscris à la filière génie civil. Tu veux devenir un génie de civil? Non, tonton. En fait, je vais être ingénieur en pont et chaussée. Quoi? Ingénieur en pont et chaussée. Construire les routes, arranger les ponts. Non. De tous les ponts et chaussées que nous avons dans cette république, donne-moi le nom d'un seul pont ou d'une chaussée qui a été conçue par un Camerounais. Mais tonton, ça peut commencer sur moi. Ah, comme c'est fini avec les autres. Vraiment. Toi, moi, je pensais que tu pouvais être différent de ton frère. Hein? Tu ne peux pas choisir une filière noble, Yvan. Parce que même rien que rembler les trous en route, c'est toujours les expatriés, les blancs. Pour construire nos hôtels, ce sont les blancs. Pour faire une simple déviation, je dis déviation, déviation, c'est toujours les blancs. Même certaines de nos maisons d'habitation, c'est toujours les blancs. Tu vois? Tonton, c'est vrai que j'hésitais un peu entre le génie civil et l'enseignement. Il y a quoi, tonton? Tonton? Tonton, il y a quoi? Père François, en quoi tu es? Père François est mort depuis, il y a quoi? Papa! Me fais enseignement. Pourquoi tu veux tuer cette famille? Pourquoi toi tu veux tuer cette famille, Yvan? Tu penses quand tu vois les anciens en route à Kéla, c'est la beauté? C'est la marche à pied. Et la marche à pied émane de leur souffrance. Yvan, un enseignant peut parler fort à un gardien de la paix. Un enseignant peut parler fort à un élève gendarme. Un enseignant peut parler, je dis même rêver seulement. Construire une maison ou rouler dans une voiture comme un élève douanier. Pourquoi tu veux faire ça? Donc tu veux passer ton temps à enseigner les médecins pour après aller mourir sur les bancs publics dans les hôpitaux. Passer ton temps à enseigner les ministres. Ils viennent réduire ton salaire sans même t'intégrer. Enseigner les présidents de la République qui vont t'oublier le jour qu'ils vont te voir. On va faire de ça un événement. Tonton, tu as demandé que je fasse un métier noble. L'enseignement est un métier noble. Tu sais quoi, Yvan? Dis-moi que tu veux être un indicateur. Instituteur, pas indicateur, tonton. Indicateur, indicateur. Parce que quand tu vas souvent rester, tu entends les sirènes en route. Oui, 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 oui. Tu commences à dire que le gouverneur, le préfet, le sous-préfet qui passe là, c'était mon élève. Où tu t'assois devant la télévision,
Dès que tu vois un ministre parler, tu dis que non. C'était mon élève. C'est ça. Moi, je te conseille de faire l'électricité. Là, tu pourras travailler à Multiservice BDP. Tonton, j'hésitais entre le génie civil et l'enseignement. Et tes propos m'ont clarifié. Je vais être un enseignant. Je vais enseigner les ministres. Je vais enseigner les policiers. Je vais enseigner les présidents. S'ils ne sont pas reconnaissants demain, je m'en fous. J'aurai fait mon devoir. Je reste sur ma décision. On peut y aller, tonton. Avance-toi, je suis derrière. Avance-toi.